Bonjour tout le monde, bienvenue à Option Région. Cette semaine, la deuxième partie de l'entrevue avec Jean-Martin Haussan. On parle également d'arnaques sur le web, d'investissement dans nos entreprises par l'État, d'évaluation foncière et de bureaucratie. On commence. J'ai déjà glissé un mot dans une de mes émissions sur les arnaques sur le web, mais là, on va aller plus en profondeur parce que j'ai trouvé d'autres choses intéressantes. Et je tire entre autres ces informations-là du journal Les Affaires dans un article à la fin de janvier d'Olivier Schmucker. Disons que ce qui est en train de se passer, c'est que les vols anciennement, puis aujourd'hui, c'est très différent. Anciennement, on avait des voleurs de banque. Qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est que là, soit qu'ils braquaient avec des fusils, ils rentraient dans la banque, puis là, ils demandaient d'avoir le cash. Il y avait aussi d'autres gens qui faisaient des tunnels en dessous des banques, puis qui défonçaient ça avec des jack drills, etc. C'était beaucoup d'ouvrages, puis pas toujours un succès de garantie. C'était long, c'était compliqué, puis des fois, ils se faisaient arrêter en cours de route, comme on dit, parce qu'ils finissaient par s'apercevoir qu'il se passait quelque chose qui n'était pas correct. Mais aujourd'hui, c'est bien moins compliqué, puis pas mal plus payant. Bon, comme on dit, on vole à distance. On peut être en Europe, puis voler du monde au Québec, au Canada. Ça se fait tout par informatique, ça se fait tout par le web, là. Une des façons d'arnaquer la plus fréquente, c'est la question des rançons. Les gens rentrent dans votre ordinateur ou dans votre téléphone, puis là, à ce moment-là, c'est que là, si vous ouvrez une appli, si vous pesez sur un courriel ou quelque chose comme ça, il se déclenche une espèce d'opération qui fait que vous perdez tous vos documents. Là, vous n'êtes pas content, puis là, on vous dit, si vous voulez avoir vos photos, si vous voulez avoir vos documents, si vous voulez revoir votre équipement, dans le fond, toutes vos données, vous devez payer 500, 1000, 2000 $, etc. Et là, ça, il faut payer ça en Bitcoin. Puis ça, le Bitcoin, ben, c'est très difficile de pouvoir être capable de remonter à la source. Les gens changent de courriel constamment. Fait que c'est très difficile de les rattraper. Mais si vous payez, vous allez être mal pris parce qu'ils vont vous réessayer un peu plus tard. Ils vont vous réarnaquer. Ça finit plus. Il y a les individus qui se font arnaquer, mais aussi les entreprises. Pourquoi les entreprises? Parce que c'est pas mal plus payant d'arnaquer une entreprise qu'un individu. Les données sont plus importantes. Puis on dit que sur le web, à toutes les 14 secondes, il y a une entreprise qui se fait arnaquer. Toutes les 14 secondes, ça veut dire qu'en moyenne, il y a 2 millions d'entreprises qui se font arnaquer par année. Pas mal certain que dans l'ancien temps, il n'y avait pas 2 millions de vols de banque là, par année. C'est rendu une épidémie. À combien est-ce qu'on peut estimer ces rançons-là, ces arnaques-là? À quel montant d'argent il est volé par année par le web? On parle de 5 milliards de dollars. 5 milliards, c'est beaucoup d'argent. Une des questions que vous pouvez vous poser, c'est comment est-ce qu'ils font pour entrer dans les ordinateurs, puis qu'il y ait nos adresses, les codes secrets, etc. Bien, entre autres, c'est que sans donner tous les détails, là, on pourrait dire que pour les adresses courriel, c'est très facile parce que, d'une part, chaque fois que vous donnez votre adresse courriel à un commerçant, bien, vous donnez votre adresse et lui, il peut soit revendre ces adresses-là, parce qu'il y a des gens qui font ça, ils font le commerce des adresses, mais aussi, des fois, les commerçants, ils se font voler la quantité d'adresses qu'ils ont, tous leurs clients, toutes leurs listes, les renseignements personnels, etc. Ça arrive aussi. Il y a des voleurs qui font ça. Par rapport aux numéros, les codes secrets, ben, c'est qu'eux autres, ils ont des logiciels qui permettent de vérifier toutes sortes de codes secrets. Compte tenu du fait que les gens essayent d'avoir des codes secrets pas trop compliqués qui vont retenir du genre 1, 2, 3, 4, là, il paraîtrait qu'il y a beaucoup de monde qui sont encore avec 1, 2, 3, 4. C'est pas très compliqué à trouver comme code secret, ça. Ben, c'est facile d'entrer dans votre téléphone ou dans votre ordinateur. Mais là, il y a des nouveaux outils pour les nouveaux voleurs. Il y a une application qui permet de déchiffrer votre code secret parce qu'ils sont capables de rentrer dans votre téléphone, même si vous ne voulez pas. Puis, il y a une application qui permet de mesurer la longueur de l'ombre que vous faites quand vous pesez sur le téléphone. Si vous pesez sur le 1 qui est en haut, là, il va y avoir une grande ombre parce que votre doigt est en haut complètement. Si vous pesez sur le 9 en bas, l'ombre va être courte. Fait qu'à ce moment-là, avec les ombrages que fait votre doigt quand vous pitonnez, ils sont capables de découvrir votre code secret. On dit même que l'application est tellement perfectionnée qu'elle peut même mesurer l'éclairage. Dépendant de l'éclairage, à ce moment-là, ça va s'ajuster tout seul pour être capable de bien mesurer l'ombre, pour être capable de bien trouver les numéros. Bon. Là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là, bien, compte tenu qu'à Option Région, on est là pour trouver des solutions, bien, je vais vous en proposer quelques-unes des solutions. Bon, entre autres, je vous disais tout à l'heure que si vous faites arnaquer, là, bien, arrêtez ça. Payez pas parce que si vous payez, ça n'arrêtera pas. D'autre part, pour éviter de perdre vos données,
Bien, faites régulièrement des sauvegardes sur une clé USB ou sur un disque extérieur. Il va falloir aussi recycler une partie importante de nos policiers dans la lutte sur la cybercriminalité, parce que c'est là que ça se passe présentement. Puis aussi, il y a une partie importante de nos futurs policiers qui devront être ce qu'on appelle des bolets informatiques, qui vont être capables de travailler de plus en plus à l'international, en collaboration avec les autres corps de police. Là, c'est là que ça se passe. Là, on n'a plus besoin de fusil pour régler ces affaires-là. Puis aussi, c'est qu'il faut presser les entreprises qui sont dans le monde numérique là, pour qu'ils puissent intégrer ce qu'on appelle des codes biométriques, comme les empreintes digitales, le bout des doigts, puis aussi des empreintes oculaires, là, l'œil. On a comme une espèce d'empreinte dans l'œil. Et que ça serait beaucoup plus difficile à détecter que les codes secrets qui sont des chiffres tous pareils assez souvent. Alors que quand on parle d'empreintes digitales, c'est quelque chose qui est assez unique. Normalement, c'est unique. Le problème qu'il y a, c'est que ça existe déjà, mais semble-t-il que c'est long, ça prend quelques secondes. Puis là, nous autres, on est trop pressé pour ça. Bien, je pense qu'on devrait rendre quand même accessibles ces données-là pour ceux qui ne sont pas trop pressés, puis continuer de développer ça pour faire en sorte qu'on puisse se débarrasser des codes secrets dont on vient tanner, puis que ce soit plus sécuritaire. On parle maintenant d'évaluation foncière progressive. Les municipalités se financent à partir de taxes foncières et normalement, en fonction de la valeur de la maison, vous avez un taux de taxe, vous multipliez par la valeur, etc., ça vous donne le résultat de vos taxes. Mais il y a des pays qui ont décidé, eux autres, de faire différemment. C'est que là, non seulement c'est taxé sur la valeur, mais plus votre maison est coûteuse, plus elle est chère, à ce moment-là, c'est que vous avez un taux de taxe qui est plus élevé. Par exemple, comme là, si le taux de taxe normal pour une maison de 200 000 $ ben c'est 1,40, ben pour une maison de 500 000 $ ça pourrait être 1,75, 2,25, etc. Dans le fond, c'est de se dire, la majeure partie des gens qui ont beaucoup d'argent, ils vont être capables de payer ça. Fait que c'est une façon de rapporter, puis c'est une façon aussi d'équilibrer les revenus, puis de partager les revenus. Ça, cette idée-là d'évaluation foncière progressive, c'est René Vézina, entre autres, de le Journal des Affaires, qui parlait de ça, qu'on devrait examiner ça. Puis aussi, c'est que ça peut aller même plus loin que ça. En Finlande, je sais que quand vous avez une contravention, un ticket de police, comme on dit, c'est que plus vous avez de l'argent, plus vous avez fait un gros rapport d'impôt, plus votre montant du ticket va être élevé. Si, par exemple, vous avez dépassé de 40 km la vitesse maximale, bien, si vous gagnez en bas de 40 000 $ bien, vous allez payer 250 $ pour votre ticket. Mais si vous êtes multimillionnaire, vous pouvez payer 10 000 15 000 $ pour la même infraction. Et là, des gens qui disent « ouais, ça n'a pas de bon sens », bien, il y a quand même un certain sens, parce que 250 $ pour quelqu'un qui gagne en bas de 40 000 $ puis 15 000 pour un multimillionnaire, c'est peut-être plus facile de payer le 15 000 que le 250 pour la personne qui n'a pas beaucoup d'argent. C'est des façons qu'on devrait examiner qui vont nous permettre d'avoir une meilleure justice, de pouvoir être capable d'avoir quelque chose de plus équitable. Passe maintenant à la bureaucratie. Quand la bureaucratie atteint des limites, on pourrait dire complètement folles, c'est que dernièrement, on a appris qu'il y a une garderie qui, en faisant son rapport, ont inscrit pour la date des congés des employés, ils ont inscrit le 25 de décembre plutôt que d'écrire Noël. Et là, ils ont reçu un papier comme de quoi qu'ils avaient perdu 5 000 $ de subvention parce qu'il aurait fallu écrire Noël au lieu du 25 décembre. C'est sûr qu'il y a une grosse différence entre les deux, là. Puis là, la garderie n'est pas contente, puis c'est normal. Là, ils se sont plaints. Là, il y a du monde qui vont tout étudier ça, puis là, ça va prendre des délais, etc. Peut-être qu'ils vont être capables de réussir à régler leurs différentes 5 000 $ mais ça va finir par coûter plus cher que le 5 000 $ pour régler quelque chose de complètement fou. Il faut que ça arrête, ces affaires-là. Puis pourquoi c'est comme ça? Bien, il y en a qui disent qu'il y a trop de lois. Oui, des fois, il y a trop de lois. Mais il faut être conscient aussi que des fois, il y a des fonctionnaires qui se sont fait taper sur les doigts parce qu'ils n'avaient pas suivi à la lettre le règlement. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? Bien, essayer de ne mettre pas trop de lois. Puis aussi, donner de la latitude aux fonctionnaires pour qu'ils puissent exercer leur bon jugement. Puis normalement, si c'est marqué 25 décembre, ça équivaut pas mal à Noël. Est-ce qu'on doit dérouler le tapis rouge pour avoir des entreprises? On a vu Amazon qui a fait un appel nord-américain pour un de ses sièges sociaux. Grosse entreprise qui va créer supposément des milliers d'emplois. Mais là, ce qu'on demande aux villes, c'est de donner le tout. T'sais, c'est que là, ils donnent le terrain, il n'y a pas de taxes, ils amènent les services, etc. Là, on peut se demander si c'est correct de faire ça. Là, c'est que là, à un certain moment donné, si on donne tout, comment est-ce qu'on va faire pour se financer?
Quand c'est rendu que c'est les entreprises qui décident s'ils vont payer des impôts puis des taxes, là, ça ne marche pas, ça. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Puis aussi, c'est que faut pas oublier qu'il y a des vases communicants. Si les entreprises ne payent pas ou payent moins d'impôts, qui va payer l'impôt puis les taxes? Bien, c'est les citoyens. Là, à un certain moment donné, il faut qu'il y ait un équilibre là-dedans. Puis cet équilibre-là, il est rompu depuis un bout de temps. En 1963, les entreprises au Canada fournissaient 55 % des impôts et des taxes. Et les citoyens, eux autres, ils payaient 45 %. En 2013, 50 ans plus tard, c'est complètement inversé. C'est que les citoyens payent 86,4 % des impôts et taxes et les entreprises ne paient plus que 13,6 %. Et ça continue de baisser. Ça veut dire que là, quelque chose qui ne marche pas. D'autant plus qu'il y a des compagnies qui ont fait beaucoup d'argent durant ce temps-là. Ça fait que là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, dans un monde capitaliste dans lequel la politique compte de moins en moins, là, les politiciens se font dicter ce qu'ils doivent faire par le monde qui a de l'argent, bien, il va falloir qu'on trouve des solutions. Puis là, c'est d'autant plus inquiétant que quand on voit un gars comme Donald Trump aux États-Unis qui va tout faire pour baisser les impôts des entreprises, là, nous autres, on va être obligés de suivre ça. Il va falloir amener qu'on fasse quelque chose. Est-ce qu'il y a des solutions? Oui, il y a des solutions. Au Québec, on a tout ce qu'il faut pour faire quelque chose au niveau de l'économie dont on pourrait être fier. C'est qu'on a des ressources naturelles immenses, on a des institutions comme la Caisse de dépôt, on a Hydro-Québec qui a des surplus d'énergie, on a aussi des fonds de travailleurs, on a vraiment toutes sortes d'outils qui nous permettent de prendre un plus grand contrôle sur notre économie. Il faut s'en servir. C'est là qu'on est rendu. Puis de toute façon, la plupart des pays, c'est ça qu'ils font. Il ne faut pas se compter de peur. Alors, que ce soit en Norvège, ils ont investi dans les entreprises, ils peuvent avoir même le contrôle, plus de 51 % du contrôle des entreprises. Ils sont associés avec les entreprises privées, mais ils sont capables d'avoir un contrôle sur l'avenir, dans le fond. Ce que je souhaite, c'est qu'on reprenne le contrôle de notre économie par une participation en action dans les entreprises. Est-ce que c'est sûr que ça va marcher? Est-ce que c'est sûr que ça va nous amener beaucoup d'argent? Il n'y a pas de garantie là-dedans. T'sais, c'est sûr qu'il y a des risques quand on investit dans quelque chose, mais c'est quand on croit dans quelque chose, quand on a des compétences, puis je pense qu'au Québec, on en a des compétences, on est capable de se donner un avenir avec ça. Sinon, est-ce que quelqu'un qui peut me dire que si on ne fait rien, que ça va se mettre à bien aller comme si de rien n'était, là, que par l'opération du Saint-Esprit, tout d'un coup, là, les coffres de l'État vont s'emplir? Non. C'est que là, c'est pas vrai, ça ne peut pas marcher comme ça. Sincèrement, je pense que c'est plus responsable de prendre des actions dans les entreprises, de les appuyer, mais aussi d'avoir un certain contrôle, parce que dans le fond, c'est un objectif commun qu'on doit avoir, l'amélioration du sort de tous les Québécois et de toutes les Québécoises. Bon, tu as été député. Qu'est-ce que tu as aimé le plus puis qu'est-ce que tu as aimé le moins dans la politique? Ce que j'ai aimé le plus, c'est la capacité de passer un message. C'est quand même une tribune assez unique d'être à l'Assemblée nationale, de s'inscrire dans les projets de loi, de pouvoir faire des déclarations qui vont rester puis qui sont souvent aussi relayées par les médias. Donc, la tribune que ça offre pour faire passer ses idées, surtout quand on pense que nos idées sont bonnes, c'est le fun pour ça d'être député. Puis je pense que c'est inégalable à de rares exceptions. Ce que j'ai aimé le moins, par contre, c'est la course à la visibilité. Donc, cette espèce d'obligation. Puis moi, j'avais un comté un peu plus rural. Donc, c'est peut-être des réalités fort différentes d'un comté urbain où les gens ne savent à peu près pas c'est qui leur député. Mais dans un comté rural, on sent cette pression-là, je dirais, d'être partout tout le temps pour être vu et être apprécié. Puis je ne suis pas sûr que c'est la meilleure façon de choisir son député. Moi, celui qui sert le plus de main. Je ne dis pas que c'est ce que les gens font. Mais indirectement, une fois qu'on est élu, on se sent vraiment obligé d'être partout tout le temps pour être vu à tous les festivals, toutes les activités, à peu près toutes les activités possibles, imaginables. Et ça, je pense que c'est non seulement épuisant, mais ça fait en sorte qu'on ne travaille pas vraiment sur les dossiers qui font avancer les choses. Donc, j'espère qu'il va y avoir un jour un changement de mentalité, à la fois de la part des élus et de la part de la population, qu'un élu efficace peut très bien ne pas serrer 500 mains le dimanche matin puis être quand même un bon élu. Et donc, ça, je pense que c'est encore assez incrusté, qu'il faut absolument être partout, tout le temps. Puis, j'en vois pas vraiment l'utilité fondamentale. Évidemment qu'il faut être présent et en contact avec ses électeurs, ça c'est essentiel, mais le fait de toujours se stresser d'être partout pour se faire voir, ça, il y a quelque chose à changer là-dessus, je pense. Puis c'est très épuisant, parce que je confirme ce que tu dis, là, que la réalité des régions est très différente de celle des urbains. Oui. C'est pas facile. Bon. La dernière année que j'étais député, j'ai fait 100 000 km avec mes voitures. Il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. C'est pas vrai que c'était productif à chaque kilomètre.
Ben moi, j'avais calculé que je passais en moyenne 22 semaines dans mon auto, 22 semaines de 40 heures par année. Bon, est-ce que dans ton livre, on sent que tu t'ennuies de la politique, que tu dis même que tu veux y revenir. Est-ce que tu envisages quelque chose à court terme, comme les élections de 2018, ou si c'est à beaucoup plus long terme? Bien, que je m'en ennuie, puis en fait, que ça me manque, puis je vais retourner un jour, ça, je ne m'en suis jamais caché. À savoir quand, ça, c'est moins facile à répondre à ça, parce qu'il y a plein de contextes. Il y a un contexte familial, il y a un contexte politique, il y a un contexte professionnel, il y a plein de choses qui doivent concorder pour que ce soit le bon moment. Mais en fait, la meilleure réponse que j'ai trouvée, que j'ai entendue, en fait, à la question « Est-ce que tu t'ennuies de la politique? », c'est que je m'en ennuie tous les jours, mais pas toute la journée. C'est Daniel Johnson que j'avais entendu répondre ça. Je trouvais ça une réponse assez habile à la chose. Donc oui, ça me manque. Et je ne sais pas quand ou si je vais y retourner, mais j'espère y retourner, en fait. C'est ça la réponse la plus claire que je peux donner. OK. Ça a du bon sens. Bon, en lisant ton livre, tu racontes là, qu'entre autres, lors de la naissance d'Option nationale, j'ai senti que tu avais rencontré beaucoup de grands parleurs, mais beaucoup moins de grands faiseurs. Tu sais, ça, il y en a de cette catégorie-là, là, du monde qui sont très portés vers la critique, mais beaucoup moins vers l'action. Puis que, tu sais, c'est des espèces de champions olympiques de la critique, mais qui n'ont pas une heure pour changer la société. Qu'est-ce qu'on fait avec ce monde-là? Y a-t-il quelque chose à faire avec ce monde-là, là, les champions de la critique à tout cran, comme on dit? Ouais, je pense que, en fait, le plus efficace, c'est de trouver des projets qui vont être emballants puis que les gens vont avoir envie d'y contribuer plutôt que simplement les critiquer ou les commenter. Puis ce que je disais aussi, c'est que ce qui est dommage souvent, c'est qu'il y a des gens qui ont un intérêt vers la chose politique et qui se prétendent orphelins, mais que finalement, leurs idées se retrouvent peut-être dans des partis qui sont un peu moins loin du pouvoir et que certaines de ces personnes-là vont plutôt faire des compromis sur leurs idées pour se rapprocher d'une grosse machine plutôt que d'y aller avec ce qui les rendrait plus orphelins du tout. Donc, le parti qui a les vraies idées qui les touchent, mais qui sont un peu à construire. Et donc, ça demande un effort de plus. Donc, c'est un peu dommage. Donc, il y a des opportunistes même chez ceux qui se prétendent orphelins, là, ça, c'est clair. Mais je pense que la façon d'intéresser les gens à la politique, c'est simplement d'être intéressant en politique. Puis ça, moi, j'ai bon espoir que c'est encore possible. OK. Qu'est-ce que tu penses de l'idée de favoriser la décentralisation? Moi, je suis un tenant de la décentralisation, d'avoir un nouveau modèle de développement pour le Québec qui serait basé sur une plus grande autonomie locale et régionale. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est en droite ligne avec l'économie sociale et ses principes. En fait, l'entrepreneuriat collectif a une gouvernance vraiment plus démocratique et plus ancrée dans les collectivités. Donc, les besoins sont identifiés par la collectivité, ils se regroupent en coop ou en OBNL pour y répondre. Donc, ça, c'est un trait qui est très, très clair, en fait, dans les préceptes de l'économie sociale et de l'entrepreneuriat collectif. Sur le plan politique, je suis extrêmement favorable à ça aussi. Et d'ailleurs, si le Québec, je reprends, quand le Québec sera souverain, et il va devoir y avoir une décentralisation vers les régions parce que si les dizaines de milliards qu'on envoie à Ottawa sont tous gérés à partir de Québec du jour au lendemain, on serait une des sociétés les plus centralisées au monde. Donc, je pense que les régions, les localités, les municipalités, les MRC bénéficieraient grandement d'un afflux de budget, de responsabilités et de potentiel de développement par cette décentralisation-là. Puis moi, j'en suis un fervent fan. OK. Mais je pense même que la décentralisation, il faut qu'elle commence avant que le Québec soit indépendant, parce qu'entre autres, c'est que si on transfère ça tout à Québec, puis qu'on dit on ramasse ça pour quelques années, puis on va vous envoyer ça plus tard, il ne restera peut-être plus grand-chose à faire. Bien, je pense Il y aurait une que. grande restructuration de tout ça, oui. OK. Une autre idée que j'essaie de mettre de l'avant avec Option Région, c'est l'idée qu'on ait ce que j'appelle un projet de génération progressiste qui pourrait réunir des gens de différentes tendances, là. Puis on voit là, que dans les gens progressistes, il y a beaucoup de divisions. Comment est-ce qu'on fait pour essayer de rapprocher ce monde-là? Comment est-ce qu'on fait pour réunir les différentes organisations, de trouver un projet commun, là? Est-ce que tu as une idée par quel bout on pourrait, comme on dit, pogner ça? Oui, ça, c'est une question assez complexe. Et bien, en fait, moi, je pense que la gauche et la droite vont toujours alterner. Dans les démocraties qui ressemblent à la nôtre, puis qui sont souveraines, là, ça alterne tout le temps en élection, quelques années à centre-gauche, quelques années centre-droite. Donc ça, de réunir les centre-droite et centre-gauche dans le même parti, nécessairement, je ne sais pas si c'est possible, parce qu'au Québec, en ce moment, les gens de la gauche, on en retrouve dans plus qu'un parti. Les gens de la droite, on en trouve dans plus qu'un parti. Puis il y a même des partis qui réunissent des gens de la gauche et de la droite. Mais de faire en sorte que tous les gens de centre-gauche soient dans le même parti ou de centre-droite dans le même parti, je pense que ça passe par autre chose.
Et il y a des idées à travers l'histoire récente au Québec qui ont réuni les gens de gauche et de droite dans le même parti. Puis le Parti québécois en est un bon exemple. C'est la souveraineté qui a réuni tous ces gens-là, quelle que soit leur position sur le spectre politique. Et d'ailleurs, je pense que dans l'histoire récente, le Parti québécois a des difficultés dès lors qu'il arrête de parler de souveraineté, parce que là, les dissensions gauche-droite sortent dans le caucus. Alors que quand l'objectif est clair que c'est pour la souveraineté, les gens se concentrent là-dessus. Donc, je pense qu'il faut des grands projets de société, des grands projets nationaux qui dépassent le spectre de la gauche et de la droite. Puis, à mon sens, la souveraineté est le meilleur exemple de ça. Qu'on soit de gauche ou de droite, on peut souhaiter que le Québec contrôle tous ses moyens chez lui. Donc, à mon avis, c'est des grands projets comme ceux-là qui vont réunir les gens davantage que la gauche ou la droite. Mais je suis d'accord avec toi que ça prend comme un levier, ça prend un projet plus grand que chacun de nous. Mais justement, par rapport à l'indépendance, bon, je sais que toi, tu es un tenant de l'indépendance, tu y crois encore, tu penses que c'est un projet important, mais il y a beaucoup de monde qui disent qu'il n'y a pas beaucoup d'appétit présentement pour la question de l'indépendance. Comment est-ce qu'on fait pour relancer cette idée-là, puis que ça devienne quelque chose qui est attendu, puis qui est souhaité, puis sur lequel on travaille. Comment est-ce qu'on fait pour redémarrer la roue, là? Bien, je pense qu'il faut démontrer à nouveau un grand leadership envers cette cause-là. C'est sûr que si les gens qui sont souverainistes commencent à se dire que c'est plus facile d'être élu sans parler de souveraineté, ce qui est peut-être vrai, c'est vrai que c'est un dossier complexe à expliquer, la souveraineté. Puis c'est peut-être vrai que dans bien des régions du Québec, même si les gens voteraient oui à un référendum, c'est plus simple de se faire élire sans parler de ça. Mais c'est abdiquer le leadership que de se conformer à ça. Moi, je pense que les fois où le PQ, par exemple, parce que j'utilise le PQ parce que c'était le parti souverainiste qui a pris le pouvoir dans l'histoire récente, les fois où il a pris le pouvoir, c'est les fois où c'était le plus clair qu'il se passerait quelque chose pour la souveraineté. Donc en 76 puis en 94, c'était assez clair que les gens votaient pour un changement sur le plan constitutionnel dans ces deux cas-là. Et à mon avis, le fait de relancer ce débat-là ferait en sorte que les gens réalisent pourquoi c'est bon pour eux. Parce que c'est vrai que dans les sondages, c'est rarement la souveraineté qui arrive en premier. Ça va tout le temps des questions d'éducation, des questions de santé, des questions de développement économique. Mais il faut leur montrer à tous ces gens-là que la souveraineté est une façon, un outil pour mieux répondre à tous leurs enjeux qui arrivent en tête dans les sondages. Parce que c'est pas la finalité en soi, c'est l'outil pour mieux développer tout le reste. Et ça, je trouve que on n'en entend plus parler. En fait, on entend beaucoup parler de souveraineté juste pour dire que plus personne n'en parle. Ce qui est une contradiction en soi. Ceux qui disent que c'est un débat qui est passé date, mais nous le répètent tous les jours, c'est peut-être parce que c'est encore à leur esprit. Puis d'ailleurs, quand on voit une nouvelle personnalité qui arrive en politique au Québec, la première question qu'on se pose, c'est pas est-ce qu'il est de gauche ou de droite, est-ce qu'il aime l'éducation gratuite ou privée, ou publique ou privée, c'est est-ce qu'il répondrait oui ou non à un référendum. Cette question-là est encore omniprésente dans notre paysage et va le rester, à mon avis, jusqu'à ce que ce soit réglé pour de bon. Mais à mon avis, c'est une question de leadership et de reprendre les rênes de cette cause-là, puis de l'expliquer clairement à tout le monde. OK. Si tu avais une baguette magique qui te permettait de réaliser trois vœux, dont un au niveau local ou régional, un au niveau national, puis un au niveau international, qu'est-ce que tu ferais avec ta baguette magique? Ce serait quoi tes trois vœux? Ouais, juste un dans chaque niveau, ben je sais ça. Oui. Comme j'habite Montréal, en fait, sur le plan local, moi, ce serait les écoles, parce que le système public d'éducation, les écoles les plus mal en point au Québec sont, il y en a beaucoup qui sont à Montréal, là, sur le plan les écoles qui sont vétustes, les ressources qui manquent. Donc, avec une baguette magique, moi, je ferais en sorte que le système public ait des ressources suffisantes pour répondre à tous les besoins des enfants, et non seulement les enfants qui accusent certains retards, mais aussi les enfants qui ont des dons particuliers. Parce que je pense qu'on s'attarde beaucoup plus à ceux qui ont des problèmes qu'à ceux qui ont un potentiel extraordinaire. Puis c'est pas, c'est évidemment qu'il faut s'attaquer aux problèmes de ceux qui ont besoin de plus de ressources. Ça, c'est obligatoire. Mais quand on laisse de côté ceux qui ont un potentiel incroyable, c'est pas mieux non plus pour l'avenir de la société. Donc, mon coup de baguette magique sur le plan local à Montréal, ce serait que les écoles aient tout ce dont elles ont besoin tout d'un coup. Question de volonté politique aussi, dans ce cas-là. Sur le plan national, bien évidemment, si je considère que mon plan national à moi, c'est le Québec et non le Canada, ce serait de faire la souveraineté du Québec. Ça, il n'y a pas de doute, pour mille et une raisons qui sont intemporelles. En fait, tous les arguments pour vouloir être souverain sont les mêmes qu'il y a 50 ans, puis vont être les mêmes dans 50 ans. Et sur le plan international, je dirais que je souhaiterais que tous les pays se concertent pour mettre fin aux paradis fiscaux.
Parce que ça, c'est encore une fois une simple question de volonté politique. Si un pays le fait tout seul dans son coin, ça peut avoir quelques impacts positifs localement. Mais pour régler le problème, il va falloir qu'il y ait une concertation internationale et qu'il ne reste plus un de ces paradis fiscaux-là ou une de ces législations de complaisance, comme on appelle. Donc, ce serait ça mon vœu, parce que ça mène à, encore une fois, à une inégalité inacceptable dans la répartition des richesses et la possession des richesses. Et ça passe par l'élimination des paradis fiscaux en bonne partie. OK. En terminant, Jean-Martin, est-ce que tu aurais un exemple de soit d'entreprise ou de produit local ou régional que tu trouves bien intéressant et que tu voudrais faire connaître à nos auditeurs et à nos auditrices? Un coup de cœur, là? Oui, ben en fait, j'ai à peu près juste des coups de cœur en entrepreneuriat collectif, c'est ça le problème, mais je peux en nommer. Évidemment, tout le monde connaît les CPE, les entreprises de services à domicile, les entreprises d'insertion. Ça fait partie d'un pilier historique de l'entrepreneuriat collectif, puis ça a des impacts sociaux absolument magnifiques pour notre société, qui, entre autres, dans le monde, est une des moins inégalitaires. Donc, le Québec est une des sociétés les plus égalitaires dans le monde grâce à notre force d'économie sociale ici. Donc, ça, c'est un des piliers historiques, mais sinon, dans les nouveautés de l'entrepreneuriat collectif, des choses qui sont plus récentes. Moi, j'ai un gros coup de cœur pour la TOHU. Ici, c'est une école de cirque, un complexe de cirque qui a fait de Montréal une des plaques tournantes dans le monde du cirque, et c'est une entreprise collective. Il y a un projet qui s'appelle la coop Mobilo, qui est un projet d'humoristes qui se sont réunis pour créer une autre façon de développer l'humour au Québec. Puis ça, c'est arrivé avant tous les scandales de l'Empire Juste pour rire. C'est une coopérative, donc encore une fois, c'est une belle initiative de jeunes. Il y a un projet qui s'appelle la Guilde aussi. C'est des jeunes programmeurs de jeux vidéo qui sont regroupés sous forme coopérative et qui sont devenus la plus grande coopérative au monde dans le domaine. Donc, dans tous les secteurs, il y a des coups de cœur qu'on peut trouver. Dans le secteur d'énergie, une coopérative qui s'appelle la Coop Carbone, qui a un projet qui s'appelle Solon, qui veut faire des ruelles géothermiques pour les résidences du coin. Donc, dans à peu près tous les secteurs, on peut trouver des coups de cœur en économie sociale. Les entreprises sont innombrables et formidables dans chaque secteur. Bien, Jean-Martin, je pense qu'on peut conclure en disant qu'il y a de l'avenir avec l'entrepreneuriat collectif. Je te remercie beaucoup pour l'entrevue, puis au plaisir de rediscuter. Je pourrais te réinviter éventuellement. Merci Ça me beaucoup, fera Jean-Martin. plaisir. C'est ainsi que se termine notre émission. La semaine prochaine, on a comme invité Nancy Tanguay, qui est la directrice générale de Serres et Pépinières de Gérardville, qui va nous parler d'une expérience de coopération internationale en Colombie. À la semaine prochaine!